Le Front patriotique, plateforme regroupant en son sein des partis politiques et organisations de la société civile du Niger, apporte son soutien au Front national pour la défense de la Constitution, FNDC, dans son combat contre l'élaboration d'une nouvelle loi fondamentale permettant à Alpha Condé de briguer un troisième mandat. Dans une déclaration dont Vison Guinee s'est procuré d'une copie, le président Front patriotique, Ibrahim Yacouba, enseigne aux autorités guinéennes que le droit de manifester est une liberté fondamentale attachée à toutes les démocraties. Il rappelle au pouvoir d'Alpha Condé que le protocole de la Communauté économique des États indépendants de l'Afrique de l'Ouest sur la démocratie et la bonne gouvernance ainsi que d'autres documents juridiques, notamment de l'Union africaine, font obligation à tous les États membres de créer les conditions d'une alternance pacifique et démocratique, à travers, entre autres, le respect de la Constitution. Le Front patriotique condamne la répression sanglante et meurtrière résultant de l'usage disproportionné de la force contre les manifestants qui n'ont fait qu'exercer un droit constitutionnel. Ibrahim Yacouba, au nom de la plateforme, salue la mobilisation et le combat héroïque du peuple de Guinée en vue de défendre la démocratie. Opposé à toute velléité d'un troisième mandat d'Alpha Condé, il exige la libération immédiate et sans condition de toutes les personnes arrêtées en marge des manifestations du FNDC. Il appelle à l'organisation dans les délais légaux d'élections libres, crédibles et transparentes, dans le respect du cadre constitutionnel et dans un environnement apaisé, et exhorte la communauté internationale à prendre en charge la crise qui prévaut en Guinée pour ramener le calme, la stabilité et de la démocratie dans le pays.